Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 32 du Star Trek Enterprise. Allez, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager et à liker. Allez, on est parti. Donc, pour ce numéro 32, deux petites étapes. Donc la première, ça va être l'installation encore d'un panneau, donc de la coupole, donc comme on peut le voir ici, qui va être localisé à cet endroit. Et puis en deuxième étape, on va continuer donc le corps de ce cobra, donc on va installer l'aide et puis le panneau qui va venir au-dessus des hublots là. Voilà, donc ce sera tout donc pour ce numéro. Avec une petite incohérence là, il va falloir que je voie ça parce que j'arrive pas trop à comprendre. Enfin, on verra ça au moment de la réalisation. Allez, on est parti. Donc voici nos pièces pour ce numéro 32. Donc la partie de la coupole, donc cette fois-ci c'est pièce métal, comme on peut le voir ici, toujours très très bien faite au niveau de la peinture et tout, c'est toujours ça, super bien réalisé. Un câble avec de LED au bout, détail de hublot, nacelle de survie et puis les deux plaques qui vont venir, donc une sur notre panneau et l'autre au niveau du corps du cobra. Voilà, et puis on a aussi des vis DM et des vis CP. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas beaucoup de hublots à installer. On va se faire ça en accéléré et puis on se retrouve tout de suite après. Exécution. Donc voilà, nos détails sont installés. Alors, étape suivante, on va venir récupérer notre plaque. On la positionne par-dessus, comme ceci. On va venir prendre nos LED. Alors, on les sépare. Hop. Donc, la LED avec le câble jaune et noir va venir à cet endroit, voilà, et l'autre tout naturellement à l'autre emplacement ici. Voilà qui est fait. Ensuite, on va venir récupérer trois vis DM et on va fixer notre panneau. Voici qui est fait. Donc, hop, voilà notre résultat pour ce panneau. Donc, on va le laisser de côté, on l'installera plus tard, donc dans d'autres numéros, mais pas tout de suite. Allez, on va passer à la suite de ce numéro 32.
Donc, pour la suite, on récupère notre plaque avec le détail des hublots qui avait été installé dans les numéros précédents. Alors, on va venir sur ce câble-là qui sort du bas. Hop. On va prendre le câble jaune et noir. On prend notre cache que voici. On le pose dessus et on va venir mettre la première LED en bas. Voilà, donc la LED est en place. On va prendre une vis CP et on va la positionner juste ici. Voilà, ça permet à la LED de rester en place. Donc la petite chose que je comprenais pas, c'est que je voyais encore la LED jaune, le câble du dessus, mais ça y est, j'ai compris pourquoi. Donc en fait, on vient prendre sur le deuxième câble, donc celui qui passe par le haut, on récupère aussi la LED avec les câbles jaune et noir, et cette fois-ci, on va venir la positionner à cet endroit. Tout simplement. Voilà. Et là, on va mettre plutôt hop, deux vis CP. Voici qui est fait. Allez, on va se faire un petit allumage, voir ce que ça donne, surtout au niveau des hublots. Voilà. Écoutez, regardez. C'est nickel. C'est nickel. Donc après, je pense que ça va venir un petit peu comme ceci. Regardez. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Alors c'est vrai que c'est relativement galère à faire. Je vous le cacherai pas, mais voilà, au final, je pense qu'on va avoir un objet tout simplement magnifique. Bon, il y aura des petites choses à revoir, mais franchement, ça va être superbe. Vraiment, vraiment, vraiment superbe. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao !